بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين لوانش الله سبحانه وتعالى le Seigneur de l'univers paix et salut sur le prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم sur sa famille, ses compagnons et sur tous ceux qui ont accepté de suivre sa sunna, de suivre son chemin jusqu'au jour de la résurrection qu'Allah nous fasse de ces gens. Wabadu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue sur notre chaîne Comprend l'Islam, Fahmul Islam, chaîne qui nous permet d'apprendre le Coran, d'apprendre les règles du Tajwid, d'apprendre cette religion avec la meilleure compréhension qui est la compréhension de nos pires prédécesseurs qui sont le prophète et ses compagnons. Alors, nous allons continuer avec nos cours de Tajwid, Al-Qur'an wa Tajwid. Avec Tajwid ou Al-Qur'an, et nous sommes précisément dans le cours de At-Tajwid. Nous sommes avec notre document, Tuhfatul Atfal, que nous avons commencé, et nous sommes aujourd'hui avec le chapitre Ahkamul Mimi wa Nun al-Mushaddadatayn, les règles de Mim et de Nun accentuées. Ce chapitre ou ce thème porte un seul vers. Nous savons que le document il est préparé en vers. Donc ce sont des vers et chaque chapitre nous avons différents vers. Et à ce niveau, le cheikh il a mis juste un seul vers pour cette règle. Donc il dit Ahkamul Mimi, les règles de Al-Mim wa Nuni et de Nun al-Mushaddadatayn accentué. Lorsque la lettre Mim porte le Shadda, qu'on appelle l'accent, le Shadda, ou lorsque Nun porte Shadda, comment est-ce que ces deux sont lus? Quelle est la règle appropriée pour ces deux lettres lorsqu'elles portent la Shadda? Le Cheikh il dit « Wa ghunna miman thumma nunan shuddida » وَسَمِّ كُلَّنْ حَرْفَ غُنَّةٍ بَدَى. Il dit نَزَلِيزِ وَغُنَّ نَزِلْ ou نَزَلِيزِ le mime وَغُنَّ مِيمَنْ نَزَلِيزِ. La nasalisation, c'est ce son doux qui sort au niveau du nez. On appelle الْغُنَّ. Il dit donc il faut nasaliser le mime ثُمَّ نُونًا ensuite le nun شُدِّدَى lorsque les deux portent shadda, lorsque les deux sont accentués. Wasammi kullan harfa ghunnatin bada. Il dit wasammi kullan, nomme chacun d'eux, c'est-à-dire mim et nun, nomme-les harfa ghunnatin, une lettre nasalisée, bada apparent, ou ce qui apparaît. C'est un peu ça le sens des différents mots composant ce vers. Le sens général, c'est quoi? C'est lorsque la lettre mim ou la lettre nun porte de shadda, porte de l'accent, tu dois non seulement accentuer, deuxièmement, tu dois faire ce qu'on appelle le nasillement ou la nasalisation qu'on appelle al-ghunna. En guise d'exemple, quand nous prenons inna, inna, il y a hamza qui porte kasra, ensuite nun qui vient, qui porte shadda et fatha. Donc, il y a shadda au niveau du nun. Et la règle voudrait qu'on accentue, ensuite on nasalise. Donc, on va dire inna. Inna, ça c'est accentué. Mais inna. Inna. Là, il y a non seulement l'accent, mais aussi il y a la nasalisation. Inna. Donc, ce son qui sort au niveau du nez qu'on appelle al-ghunna. Inna doit accompagner la lettre nun. Ensuite, mim, exemple, summa. Summa, c'est tha qui porte dhamma. Ensuite, mim qui porte shadda, qui porte l'accent avec fatha. Et au niveau du mim, on doit non seulement accentuer, mais aussi on doit nasaliser. Donc, summa, summa, là c'est accentué. Summa, accentué avec nasalisation. Donc, les deux lettres. Partout dans le Coran, lorsque la lettre nun ou la lettre mim porte ce qu'on appelle le shadda, la règle voudrait que non seulement tu accentues, mais aussi
tu nasalises. Donc, c'est pourquoi ils disent que cette partie aborde la prononciation du nun et du mim quand on leur applique la shadda qu'on appelle l'accentuation. Et je rappelle que lorsque nun et mim portent shadda, il s'agit ici du cas où la runna, qu'on appelle la nasalisation, la runna est à son maximum en termes de force et de durée. C'est-à-dire qu'il y a les maratib runna, il y a les degrés de la runna. Et le degré le plus élevé de la runna, où on prend plus de temps, c'est-à-dire où on applique encore plus de force, c'est lorsque nun et mim portent runna. Et je rappelle que seulement les deux lettres-là, quand elles portent shadda, qu'il y a runna. Toutes les autres lettres, quand elles portent shadda, il y a juste l'accentuation, mais il n'y a pas de runna, il n'y a pas de nasalisation. On ne nasalise pas sur les autres. Mais mim et nun portent ce qu'on appelle la runna. Donc, c'est ça, cette règle et les exemples. Inna, thumma. Et lorsque nous voulons nous arrêter, par exemple, sur une lettre, exemple nun, qui porte shadda, il faut non seulement nasaliser, c'est-à-dire il faut accentuer et nasaliser avant de s'arrêter. C'est très important. Donc, l'accent et la nasalisation se font non seulement c'est-à-dire en passant, en liant, mais aussi à l'arrêt. En guise d'exemple, Wala Jian, par exemple. Wala Jian, la miyat mithun, Wala jan, là il y a ce qu'on appelle mad. On doit tirer beaucoup le jim, c'est madou lazim. Mais ce qui nous intéresse ici de plus, c'est nun. Nun, wala jan, nun porte shadda, nun porte l'accent. Donc, lorsque nous voulons nous arrêter à ce verset, nous devons non seulement accentuer nun, mais aussi nasaliser avant de s'arrêter. On dit wala jan. Oui. Voilà, Jan. Donc on ne dit pas voilà, Jan. Non, on doit accentuer. Voilà, Jan. Ensuite, nasaliser. Donc c'est ça le cours de Ahkamul Mim wa Nun al-Mushaddadatain. La règle de Mim et de Nun accentuée. Et le cheikh dit wa gunna Miman, thumma Nunan Et nasalise le mim, ensuite le nun, lorsque ces deux sont accentués. Wasammi kullan harfa runnatin bada. Nomme chacun d'eux une lettre de runna, une lettre de runna apparente, ou une lettre de runna, c'est ce qui apparaît. Barakallahu fikum. Nous allons marquer la pause habituelle, revenir juste après pour faire la lecture du Coran. Bismillah. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Bienvenue dans la deuxième partie de ce cours qui est la lecture du Coran et nous allons aujourd'hui lire la sourate Al-Fil. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Revenons. Alam ta ro. Ta ici est lu de façon légère. On ne dit pas to, on dit ta. Ta ro. Et la lettre ro, lorsqu'elle porte fatha, elle est emphatique. Donc, alam ta'ro, alam ta'ro. Kayfa fa'ala, fa'ala ici. Toutes les trois lettres portent fatha. Donc, on ne dit pas fa'la. On dit fa'ala, fa'ala. Rabbuka, ro. Donc, de façon emphatique. Bi ashabil fil.
N'oublions pas que Sad aussi est emphatique. Sad, min huruf l'istila, bi ashabil fil. Alam yaj, yaj ici jim, il y a ce qu'on appelle qalqala. Jim donc est une lettre de qalqala. Il faut donc qu'il y ait, c'est-à-dire cet agitement. Alam yaj, yaj, on ne dit pas yaj, on dit yaj, yaj al kaidahum fi tadlil. Dod est une lettre qui sort de, c'est-à-dire des côtés de la langue avec les molaires, disons, avec les molaires, donc les dents qui sont plus éloignées. Et cette lettre, elle est emphatique et elle n'a pas de qalqala. On ne dit pas « fi tadlil », non. Il faut coller la langue et ne la lever que lorsque l'âme vient. « Fi tadlil ». Cette lettre, c'est ce qu'on appelle « al-istitala ». Donc, tu vas un peu laisser la voix se prolonger. Donc, « fi tadlil ». Wa arsala alayhim tayran ababil. Tayran, ici tay, l'emphatique, donc qui est différent de taro. Tayran, tayran ababil. Nous avons ici le tanwin et il y a Hamza qui est venu. On a appris cette règle. Tanwin avec Hamza, c'est l'idhar. Il faut donc clarifier. Donc ici, c'est-à-dire le tanwin, il faut clarifier, donc il faut faire apparaître le nun qui est là, tayran, tayran, ababil, sans faire la gunna. Tarmihim bihijaratin. Ici, mim est venu, ba est venu. On n'est pas encore arrivé à cette règle au niveau du tajwid, mais cette règle, c'est al-ikhfa ou shafawi. Lorsque mim vient et ba vient, il y a divergence entre les savants. Il y a certains qui disent qu'il faut, il faudrait que les lèvres se touchent, mais sans appuyer. Il y a beaucoup d'explications à donner par rapport à ça. Il y a d'autres qui disent qu'il faut laisser ce qu'on appelle la fourja, c'est-à-dire un petit trou, très petit, et ne pas fermer le tout. Donc, il y a cette divergence entre les savants, donc à chacun de choisir. Lorsqu'on va arriver à ce niveau, on va un peu parler de cette divergence et donner les arguments de chacun d'eux, inshallah. Tarmihim bihijaratimmi. Là, c'est tanwin qui est venu, mim est venu. Lorsque tanwin vient et que mim vient, c'est ce qu'on appelle al-idgham bi-ghunna. Min sijil. Min sijil. Là, c'est nun et sin. Et là aussi, on a appris ça, ce qu'on appelle al-ikhfa. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ka'asfim ma'kul. Là aussi, il y a Tanwin qui est venu. Mim est venu, c'est Al-Idgham Birunna. Nous allons donc lire une fois pour que vous puissiez bien réviser. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.